Développement dans le dossier du courtier immobilier Mathieu Arsenault. Amanda, sa femme et lui ont été reconnus coupables par leur ordre professionnel. Oui, visiblement, Audrey, hein, le courtier immobilier Mathieu Arsenault, qui n'a pas fini avec l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Cette fois, on parle d'événements qui sont liés à une transaction où M. Arsenault, oui, était le courtier responsable du dossier. L'OASIC lui reprochait de ne pas avoir vérifié l'identité des acheteurs potentiels dans cette affaire-là et d'avoir donc laissé sa conjointe signer un document. Catherine Gosselin, pour sa part, elle était donc accusée d'avoir fait un faux document en signant cette attestation. Les deux avaient, je vous rappelle, bon, reconnu en grande partie les faits durant l'audience et l'enquête, mais bon, ce qu'ils disaient, c'est que c'était plutôt qu'ils n'avaient pas agi de mauvaise foi. Donc voilà, prochaine étape, ce sera une audition sur sentence qui aura lieu au cours des prochaines semaines. Ce sera donc évidemment à suivre. On suivra le tout pour vous, évidemment. Merci, Amanda. À tantôt.